Says his style is English boxing, so hopefully we'll see a nice style of English boxing. Stalking him, he's keeping him on the ropes. He's tagging him, he's tagging him. Learning. He's squared on with his legs wide. Yeah. He needs to chip, he needs to poke, he needs to stay out of the way. Oh, right over the top and left up. Lovely shot. But he's taking him out, he's taking him. But he's still giving it, and he's still taking it. Richie's now seen the opportunity. Richie sees blood and water here. He's not going to stop. He's got him down. Brilliant. There's that body shot. There's that body shot. Oh, that's it. That's it. What a body shot. Right. J'ai été en enfer pendant 5 rounds. On se réveille gentiment. Allez, on y va. Pas facile, tu vois. Le problème, c'est qu'on vit pas de ce qu'on fait, de ce qu'on gagne ou de ce qu'on perd. On n'en vit pas. Alors, bah voilà, les agents de sécurité qui terminent de travailler à 5h du matin en sécu, à la boîte de nuit. Et puis, bah, ils viennent dormir directement à la salle pour pouvoir s'entraîner. Et après, c'est les sparring. Alors, c'est toujours un peu compliqué de les préparer comme ça parce qu'ils sont fatigués. La fatigue amène la blessure, donc on doit toujours faire très attention quand ils travaillent de nuit comme ça. Disons que la fin de semaine, c'est toujours un peu plus compliqué que le début de semaine. Allez gros, on se réveille, on y va. Mangez pas trop, hein. Comment ça va, ça va. Mangez pas trop, vous allez vomir après. Okay. Tu piques, tu sors. Boum, voilà. Devant tes mains, c'est mieux. Voilà, tu vois, c'est là que tu vas pas payer. Voilà. Allez, bouge ta tête. Bouge. Voilà. Laisse-toi pas tourner, hein. Je m'appelle Valentin, j'ai maintenant 27 ans, j'ai combattu 3 fois au KOTS où j'ai aussi 3 victoires. J'ai commencé il y a maintenant près d'un an et 3 mois, je crois. J'ai commencé le 31 octobre 2020. Et maintenant, je combats en bare knuckle professionnel au BFBA. Mon parcours au KOTS actuellement est de 3 combats pour 3 victoires. Donc, mon combat le plus expéditif a été contre Guin en mai 2021. Et j'ai eu la chance à mon dernier combat de combattre Eric Olsen, qui est un combattant qui a 10 combats en bare knuckle, qui a été très dur, ça a duré 8 minutes, un enfer. Et ça m'a aussi ouvert la porte du BFBA. Le KOTS actuellement, c'est ce qu'il y a de plus dur. On peut dire ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est, ça restera pour moi ce qu'il y a de plus dur. Même le Votor à côté, c'est facile. Tu vois. Du coup, quand on va au KOTS et qu'on a 3 victoires en poids lourd, c'est quelque chose. Je suis le seul actuellement à l'avoir. Et ça donne une certaine reconnaissance. Aujourd'hui, le French Viking, il reste invaincu dans le KOTS. Et ça reste le seul poids lourd avec 3-0. C'est le meilleur poids lourd de la catégorie. Aujourd'hui, je le dis et je le dis sans détour. C'est la cage la plus dangereuse du monde. Je pense qu'aujourd'hui, peu importe que tu gagnes ou que tu perdes, que t'aies les couilles de rentrer là-dedans, déjà pour moi, t'as tout mon respect. Gaëtan est très impliqué dans ma préparation. Genre, si je l'appelle pas dans la journée, il le fera. S'il m'envoie pas un message, il le fera. Si je suis pas à l'heure, il va m'engueuler. Si je suis en avance, il va m'engueuler aussi. Du coup, je suis là tous les jours à l'heure et je l'appelle tous les jours. Alors moi c'est Gaëtan Lebris, je suis le head coach de One More Step Training, structure que j'ai créée il y a maintenant un petit peu plus d'un an. J'ai été combattant professionnel pendant des années dans différents sports de combat et arts martiaux. Comme on a pu déjà le voir dans d'autres reportages, j'ai aussi combattu de manière illégale dans des fight clubs. J'ai aussi performé en jiu-jitsu brésilien. J'ai gagné et puis fait plusieurs podiums sur des compétitions nationales et internationales.
Et à côté de ça, j'ai toujours été restaurateur pendant 18 ans. Et puis j'ai arrêté la restauration pour ouvrir One More Step. Je suis cavalière à la base et aussi je m'entraîne pas mal en cross-training ici à One More Step. Gaëtan il m'a fait faire d'énormes progrès. Vraiment j'ai passé un cap depuis que j'ai commencé à m'entraîner ici. Parce qu'il nous pousse beaucoup, il nous fait dépasser dans nos limites et j'ai vraiment pu sentir une différence depuis que j'ai commencé à m'entraîner là. L'avantage particulier de One More Step Training, c'est que c'est un entraînement qui est personnalisé. Ça veut dire que ça m'aide pour mon sport de cavalier. Les entraînements de Gaëtan sont ciblés et on travaille spécifiquement des choses dont j'ai besoin tous les jours. Ça change ma vie parce que Gaëtan me fait sortir de ma zone de confort. Et j'ai toujours eu un physique assez athlétique, on va dire. Mais là, je pense que j'arrive à sortir le meilleur de moi, en fait, grâce à ces entraînements. J'ai jamais fini en pleurs ailleurs que dans cette salle. Et ça m'est arrivé quand même relativement plusieurs fois. Parce qu'on va chercher cette limite, pas seulement physique, mais aussi dans le mental, où on va aller affronter un petit peu, se confronter à cet instant charnière. Gaëtan a une personnalité hors norme, et donc très rassembleur. Et on est aussi, tout One More Step, c'est un environnement de personnes complètement hétéroclites qui viennent d'univers complètement différents. Et malgré ça, on arrive à trouver un point d'attache entre nous et ça fait une fusion assez forte entre nous tous. Ouais. Gaëtan, c'est quel genre de coach ? C'est, en trois mots, c'est une personne qui est humain, dur, mais qui est, on va dire, réaliste comme personne, très réaliste. Donc One More Step, c'est ça. C'est une structure familiale où c'est une entraide qui est complète. Chaque personne est importante. Chaque personne met une pierre à l'édifice pour que tout ça soit consolidé. Voilà, c'est une structure familiale. T'as sorti le statut. Voilà. Lève tes mains. Commence pas à faire le Mario dessus. Tu vois. Oui. Oh. Voilà, reste pas la main là. Valentin, il a une boxe. Joli, bien. Atypique. J'adore ces mecs qui boxent à la sensation. Oui, voilà. J'en ai marre des gauche-gauche-droite. Ça me fait chier. Tiens. Il boxe pas comme les autres. Il a un coup d'œil qui est pas comme les autres. C'est un poids lourd qui bouge pas comme les autres. Bon, on n'est pas dans Cyril Gagne non plus. Hein. Mais il bouge pas comme les autres. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Et moi, c'est ça qui me passionne. Parce que, voilà, quand tu peux faire avec ce qu'il y a et qu'il y a ça, rends-toi compte de la marge de progression. Il n'y a pas de limite. Un mec comme Valentin, il sera champion du monde. Du coup, j'ai été embauché dans une agence de sécurité qui s'appelle VSR, qui est spécialisée dans l'événementiel. Du coup, ce que je fais, c'est que je travaille en début de soirée dans des bars. En général, je fais 20h, 2h du matin, et à 2h du matin, j'enchaîne directement en boîte de nuit jusqu'à 6h. Du coup, oui, les horaires sont compliqués. Je viens dormir le matin, en général, ici à la salle, jusqu'à 8h du matin, où je me réveille, je vais à l'entraînement, je retourne chez moi me coucher. Quand je me réveille, je reviens ici m'entraîner, et après, je pars au travail. Mes journées sont calculées comme ça. Bon, mes premières qualités, je pense que c'est que je m'arrête pas, en fait. Même la gueule en bouillie, je m'arrête pas, en fait. Et ma première qualité, je pense que c'est ça. Et techniquement ? Ma droite. Mais enfin, je veux dire, c'est une bûche, le mec. Je préfère me taper avec un mur, ça fait moins mal. Je veux dire, c'est un gars, puis il est gentil. Il est profondément gentil. Puis il a une qualité qui se perd beaucoup, surtout dans dans nos circuits, là, de sportifs, tu vois. Il est fidèle. Et ça n'a pas de prix.
Il a combattu là donc du coup donc au Barfist, donc malheureusement une défaite. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Ça a été compliqué. C'était compliqué de le voir en difficulté comme ça. Tu sais, moi, je leur demande juste de sortir sans regret. Je m'en fous de qui gagne ou qui perde. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux pour me dire que ce qui m'intéressait, c'était de coacher que des gagnants. Ça m'a blessé. Mais tu vois, de ce combat contre Rich Chilik, c'est LE combat poids lourd de l'organisation. J'ai été en enfer pendant 5 rounds. Ça a duré 5 rounds, très très dur, très 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 long. Richie est un adversaire très dur. Sincèrement, l'erreur, c'est que je l'ai sous-estimé. Je m'attendais à tomber sur un vieux de 40 ans. Je suis tombé sur un mec très très dur. Les droites, il les a encaissées comme personne ne les a encaissées jusqu'à présent. Et ouais, genre, il s'est vraiment préparé comme moi, pour moi, et je ne suis pas assez préparé pour lui. On a fait une grosse erreur. Et elle est en partie de ma faute. Faut pas croire que Valentin, tout ce qui s'est passé sur ce combat-là, c'est pas que de la faute de Valentin, c'est aussi de la mienne. On a été un but de notre personne, un but de notre duo. On s'est cru arriver. Et les lauriers, on se les a mis dans le cul. Et ça gratte. J'ai pris un KO technique après un coup au corps. C'est une magnifique défaite, mais elle fait mal. Deux côtes, un nez, c'est... Pour un mec qui défonce tout le monde et qui saute sur la tête des gens. Ouais, la défaite a été compliquée. J'étais sur une série de victoires, j'étais sûr de moi. Tomber sur un adversaire que j'avais sous-estimé, forcément, c'était compliqué. J'ai eu du mal à m'en remettre. Ça a duré plus d'un mois, la remise en forme. J'ai eu du mal à retourner à l'entraînement. Maintenant que j'y suis, ça va beaucoup mieux. Il était touché. Il s'est isolé. Il a fait ce qu'il avait à faire et il est revenu à l'entraînement. Tu sais, les gens fidèles, ils reviennent toujours à la maison. Tu peux te perdre sur le chemin. On s'en fout de tes cailloux, là. Si tu sais où tu dois aller, tu reviens toujours là où t'étais. Là où c'est bon, là où c'est sain. Et donc là, il est comment, là? Moi, je pense que l'autre, il a intérêt d'être prêt. C'est plus du tout le même Valentin qu'on a vu avec Rich Chilik. Et Rich Chilik, ça a tenu 5 rounds. Et je ne crois pas que l'adversaire qu'on va rencontrer là est de la hauteur de Rich Chilik. Là, c'est sûr. C'est étudié sur des vidéos, c'est étudié sur tout un process. Voilà, c'est un combat à la mesure du retour de Valentin. Je ne sous-estime pas son adversaire. Alors moi, c'est Tristan, j'ai 29 ans, j'ai commencé la boxe il y a 4 ans maintenant, à 25 ans. J'ai 8 combats en boxe anglaise, amateur, pour 3 défaites et 5 victoires. Et là, je vais faire mon premier combat pro en bark knuckle fin du mois. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des sports de combat ? J'ai toujours voulu en faire, en fait. C'est juste, quand j'étais petit, on m'a pas empêché, mais ma mère n'était pas tellement d'accord par rapport aux a priori sur les sports de combat, pas s'en servir à l'extérieur, etc. Et après, c'est vrai que j'ai eu un parcours de vie assez compliqué. Fait pas mal de conneries, passé par la casse-prison, l'alcool, la drogue, tout ça. Et je me suis décidé avec mon petit frère à me lancer dans la boxe. Et ça m'a donné un cadre de vie beaucoup plus strict. Et ce qui a fait, ça m'a appris beaucoup de valeur. Et j'ai aussi rencontré de bonnes personnes. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Il est arrivé ici avec une connexion qu'on avait entre amis, parce qu'on a une société de sécurité aussi à côté avec mon collègue. Enfin, c'est mon collègue qui a la société de sécurité. Je ne suis pas dedans, mais je veux dire, ça fait partie de la salle dans laquelle on est aujourd'hui. C'est donc là que j'ai rencontré Gaëtan. Et je leur remercie encore parce que ça m'a fait passer un cap dans ma vie personnelle, il le sait. Et j'en suis très satisfait, et puis c'est pas fini. Tristan était un petit peu à la dérive, avec peut-être une instabilité émotionnelle, humaine, à ce moment-là, et se cherchait un petit peu. Et il a un gros bagage pugilistique. Donc voilà, je sais pas, c'est un parcours de vie qui m'a touché, tu sais. Je connais pas de gens qui ont une vie facile.
Alors, lui, il avait une vie un peu atypique, qui porte surtout aux préjugés et aux jugements. Et ici, on juge personne. On prend tout le monde comme il est. Et on travaille. Je suis pas un technicien comme quelqu'un qui a 20-25 ans d'expérience dans la boxe. Moi, ça fait que 4 ans, je suis novice. Moi, c'est ce qui me sauve, c'est ma hargne, mon punch, et voilà, je suis quelqu'un qui recule jamais. J'ai jamais vu un 75 kilos, 75 c'est la Suisse, mais j'ai jamais vu un 75 kilos frapper aussi fort. J'ai jamais vu ça. Ça fait comme Valentin. La première droite que j'ai prise dans la patte d'ours, j'ai dit putain, voilà le deuxième. C'est un truc de ouf ça. Comment c'est possible? Je fais 75 kilos, merde. Je suis quand même pas pourri. Je frappe pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où ça sort? J'ai jamais fait une préparation comme ça. J'ai jamais été au même. Là, je suis à la moitié, mais j'ai jamais été prêt physiquement comme je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne laisse vraiment rien au hasard. C'est qu'on travaille tous les muscles. C'est pas parce qu'on est boxeur qu'on va juste travailler sur sa vivacité ou à faire des pompes. C'est, on travaille de haut en bas. Tout est carré, tout est fait pour qu'on puisse performer. Donc, j'ai hâte de voir la fin de la préparation dans comment je serai à la fin. Comment il va mon Samy? Ça va et toi? T'es super? Ouais, on super. Est bien. On a ça bien va dormi. Welcome. Hello. Salut. On va voir la pesée qui était même. Café rempli, fait pour une Suisse, mon pote. Je te jure, je vais te faire avaler ton café dans ça. Tu voulais full. Toi, je sais pas. Moi, je peux les scramble. Short, les chaussures, la coquille, Valentin, on se lève, on y va, s'il te plaît. Allez. Voilà, les pattes d'ours. Les gants, vous prenez ça dans vos sacs, moi j'ai les serviettes. Bon, après, je vais prendre aussi la trousse à pharmacie, ok? Et vous me faites plaisir? Hein? Vous voulez me faire un kiff? Vas-y. Laissez la chambre rangée et faites votre lit. Ok. Il n'y a que les gens qui font leur lit qui arrivent à réussir leur journée. Hein, s'il vous plaît. Ok? C'est la seule chose que je vous demande. Ça, c'est un kiff, c'est juste pour moi. S'il vous plaît. Nouvelle. Oh, je ne sais pas où il est. Thank you.
you break the rules or you don't win. Is there any questions? There are no long arms counts. We've got 10 seconds. Within 8, you've got to be back on your feet ready to fight. If you're not ready to fight because you're still buzzed by the punch that you've taken, then that will be the end of the fight. Three knockdowns. One round, you're done. Okay? Five knockdowns over the duration of the fight will stop the fight. But generally speaking, I sort of know when you've had enough. And I'll be stepping in if I think you've had enough. There we go. Ready? Three! There we go! Good luck, lads! Good luck! Faut qu'on parle. Il viendra pas. Il viendra pas. Pour l'instant, on n'a pas la raison. C'était bizarre qu'il soit venu trop en retard comme ça. Donc tu vas combattre un autre gars que j'ai accepté, qui fait 70 kilos et qui a un combat pour une victoire. J'ai vu le combat. Je vais retourner voir Angou qui me l'envoie et on va l'analyser ensemble maintenant. Malheureusement, c'est les erreurs. Je te le dis tout de suite. Je te donne mon avis. C'est beaucoup plus simple. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans la facilité de dire « Ah, allez, ça va être facile. » Je te le rappelle, je me fous de savoir du putain de résultat. Je me fous de savoir de ça. Je veux que, comme il a dit, Michael, fais-toi plaisir. Tu prends un du plaisir, deux, tu sors sans regret. Si tu fais ça, on est tous fiers de toi. C'est les deux seules choses sur lesquelles tu n'as pas le droit de faillir. La victoire, c'est optionnel, je me fous de ça. Je veux que tu sors tout ce qu'on a fait à l'entraînement. Je veux que tu n'oublies pas chaque sacrifice que tu as fait. C'est clair? Voilà. Just so
va d'abord avec moi après. C'est la chance. Non. Mérité. Merci Valentin. Merci, bon, à toi maintenant. Bon, ouais, gros, je vais vous laisser. Oh, la main, mon frère. Attends, je t'envoie la photo. On trouvera toujours la ressource nécessaire pour construire si ça se passe pas comme on aurait voulu. Mais regarde-moi. On en a besoin. Je veux que tu sortes de ce ring sans regret. Et que tu meurs là. Comme t'as failli mourir pour Richie. Mais on est de loin pas avec la même préparation. Donne-lui ce qu'on a tous sacrifié. Je veux que tu lui donnes dans sa putain de gueule tout ce que nous, tous, on l'a sacrifié. Ouais. Et oublie pas. Moi, je suis déjà fier de toi. Et que de toutes les façons, peu importe ce qui va se passer. Et puis, on va être là. Regret ou pas, je t'aimerai toujours comme si t'étais mon fils. Alors, je veux le meilleur pour mon fils. Je veux que tu gagnes. Je veux que tu renoues avec ce que tu mérites par rapport à tes sacrifices. Je veux ça. Et j'exige qu'il n'y ait pas de regret. C'est la seule chose que j'exigerai avec toi, de toutes les façons. Je t'aime trop pour t'exiger autre chose. Ok? On est bon? Tu dois prendre du plaisir. Un grand maître qu'on connaît bien, il a dit quoi? Il a dit on doit être comme des enfants quand on est Noël. Et aujourd'hui, c'est Noël! We'll be right back.
t'es lâché comme putain. Bien joué mon gars. Tu donnes quoi à l'œil? Je donne un œil. Non, 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 mais t'as pas décassé. C'est pas de la violence gratuite. C'est pas de la violence tout court. On se mesure. On veut juste savoir qui est le meilleur. Comme le pilote de voiture. Il veut être premier, non? Comme l'équipe de volleyball, elle veut être championne, non? Et il se tire des ballons, là, non? Nadal, il veut pas être champion, Nadal? Bon, bah alors, il se mesure, non? Nous, on se mesure d'une autre manière. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de haine là-dedans. Et alors, je le dis, ça, il faut que je le dise. Il n'y a pas d'idéaux politiques. Laissez-moi tranquille avec toute cette merde. On veut juste se mesurer et savoir qui est le meilleur à l'instant T.